Bonjour à tous. Eh bien voilà, ça y est, encore une journée en perspective avec une peinture à réaliser. Donc une journée de bonheur pour moi. J'espère que vous allez tous bien. Je voudrais avant toute chose souhaiter la bienvenue à trois nouveaux abonnés. Et je voudrais souhaiter la bienvenue tout d'abord à Richard X. Bienvenue Richard sur cette chaîne. Bienvenue également à toi Vincent. Vincent Temahuyari et Miroslav Vojak. Voilà, bienvenue à vous trois. Merci de vous être abonnés. Vraiment, ça me fait super plaisir. Alors aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, on va essayer de réaliser un tableau un peu sur la base de quelque chose qu'on a déjà fait, c'est-à-dire de la peinture fluide acrylique. J'avais réalisé mon tout premier test, mon premier tableau en direct il n'y a pas très longtemps, et j'avais à la fin de ma vidéo promis de recommencer le même type de tableau, mais avec des formes un peu différentes. Voir un peu quelle latitude on a d'action sur cette fameuse peinture acrylique fluide. Donc c'est parti, on y va, assez de blabla, au boulot. À très vite, je vous fais des gros bisous à tous. C'est parti. Alors, en préambule, simplement, un petit rappel du tableau qui est à l'origine de celui qui est à venir. Donc ça, c'était le premier tableau qui avait été réalisé en acrylique fluide. Je repars exactement sur le même fond, c'est-à-dire un fond noir. Sauf que le fond, cette fois-ci, je vais le laisser humide avant de mettre les couleurs. Alors que la dernière fois, j'avais laissé sécher le fond avant la couleur. Voilà, bon, je vous ai passé les étapes où j'ai mis du noir sur le fond. Et d'ailleurs, j'en ai mis un peu partout également à côté. Donc ça, c'est sûr que c'est pas un travail qui ne crée aucun gaspillage. Et c'est également quelque chose qui est très salissant. Il faut vraiment hyper bien protéger autour. Bref, deux, trois petites bulles. Hop! Dès qu'on redonne un petit coup de chaud, ça retend bien le noir, la peinture. C'est assez sympa, ça. Maintenant les couleurs. Alors exactement dans l'ordre que l'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire du blanc au démarrage. J'avais ensuite mis du vert. Ça avait fait d'ailleurs un effet un peu œil de porcelaine. C'était très joli. Alors voyons voir si ça se fait comme ça à nouveau. Ouais, je le vois. Ça va le faire sur les côtés, ça part. Ok, du bronze. La couleur un peu magique, le blanc perlé. Et on recommençait la même opération. Blanc. Vert. Bronze. Blanc perlé. Et le doré, hop, sur le côté. Comme la dernière fois. Seule différence peut-être, j'ai peut-être mis un peu plus de couleur en quantité que la dernière fois. On va voir ce que ça donne en résultat. Le noir maintenant. Et le but étant ensuite de recouvrir les couleurs, vous vous souvenez, avec le noir, avec un sèche-cheveux. Voilà, la dernière fois, j'avais rebalayé vraiment que d'un côté les peintures pour écarter le noir et que les peintures apparaissent. Là, ce que je vais faire, ça va être différent, c'est que je vais essayer de chasser sur trois côtés différents pour faire une forme un peu de fleurs, de papillons. Allez, on essaie. Voilà, bon. Alors, effectivement, le résultat est très différent de celui de la dernière fois. Les couleurs, bien évidemment, sont les mêmes, mais se sont un peu plus mélangées. Il y a beaucoup plus de cellules. Et ça, je pense que c'est parce que j'ai gardé la peinture
sous vide, mais c'est la peinture de la dernière fois, donc à mon avis, l'huile de silicone fait encore plus son effet. Et on va encore révéler un peu plus les cellules. Allez, on y va, on essaie. Bon, vous avez du mal à vous rendre compte parce que là, c'est vraiment un carnage tout autour. Je vais nettoyer un peu et vous montrer le résultat. Bien, verdict. Alors, voici le tout premier tableau que j'avais réalisé. Et voici maintenant le second. La différence, c'est que sur le premier, je trouve qu'on a moins de mélange de couleurs. Les cellules sont plus grosses, c'est moins brouillon. Pour ma part, je préfère. Parce que là, hop, voilà, on a un travail un peu plus, on va dire, confus. Alors, plusieurs possibilités. La peinture est restée une dizaine de jours dans un pot hermétique. Je ne pense pas qu'elle ait souffert, mais par contre, le gel, le silicone, à mon avis, a dû beaucoup plus s'imprégner dans les pigments et la peinture. Donc, ça donne ce résultat, première chose. Ensuite, j'ai mis beaucoup plus de peinture couleur aujourd'hui que la fois précédente. Ça se voit d'ailleurs, hein, là, le noir reste plus présent. Et ensuite, dernière chose, je pense que dans ce nouveau tableau, j'ai mis plus de couches également successives de couleurs. Bref, tout ça pour dire que c'est pas si évident que ça de faire ce qu'on veut avec de l'acrylique pouring. On a une idée en tête et puis finalement, c'est la peinture qui fait un peu ce qu'elle veut. J'ai vraiment trop déçue du résultat. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai remis un peu de bronze, un peu de doré, un peu de blanc, du noir autour. J'ai ressoufflé avec le sèche-cheveux et là, je vais souffler un peu à la bouche pour voir si le tableau me convient un peu mieux. Ben oui, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. C'est souffler à la bouche, c'est beaucoup plus joli, je trouve, que tout au sèche-cheveux. Regardez. Ah ben voilà, je préfère. C'est mieux, c'est nettement mieux. C'est beaucoup plus joli. J'aime bien les cellules qui se forment ici. J'aime bien cette tache cuivre qui est pleine, qui n'est pas brouillon. Oui, je préfère largement. Sympa. Je suis bien plus satisfaite de ce résultat. La différence, c'est que j'ai mis du cuivre ici, mais isolé, du blanc ici isolé, du doré ici isolé, et vous voyez, là, les couleurs se mélangent beaucoup moins. Plutôt que de les souffler énormément avec le sèche-cheveux qui crée un gros souffle et qui fait un gros mélange, et bien là j'ai soufflé à la bouche et du coup c'est quelque chose de plus subtil, c'est beaucoup moins violent entre guillemets, donc ça me convient mieux. Je suis assez contente du résultat alors que tout à l'heure j'étais pas très satisfaite, c'était trop brouillon à mon goût. Là franchement ça me plaît bien, je suis contente. Donc je vais le laisser comme ça. Le laisser sécher et puis on en reparle quand il est sec. Ça y est, c'est l'heure du bilan. Derrière, vous avez les deux petites réalisations en acrylique fluide. La première et la seconde. La première qui est la plus verte et la seconde sur laquelle vous voyez plus la tache marron au centre. Je constate d'emblée que le fait d'avoir laissé l'acrylique fluide pendant une dizaine de jours dans un pot hermétique n'a pas du tout fait sécher la peinture. Elle est encore très fluide et a très bien fonctionné sur la toile. Par contre, on a perdu les cellules, donc c'est un peu dommage. Je vous montre tout ça de plus près. Les cellules qui ont bien fonctionné sur la première et beaucoup moins sur la seconde. Donc le prochain essai, ce sera avec à nouveau des gouttes d'huile de silicone réinjectées dans la peinture pour voir si on retrouve de jolies cellules. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.